Mais tabarnouche, ça se peut pas. Ils sont trop drôles. Ils me suivent partout. L'autre fois, j'ai ouvert la porte. J'ai laissé la porte ouverte sans m'en rendre compte. Puis là, j'étais après mettre de l'eau. Ils étaient tous en arrière de moi. Ils étaient tous rendus à côté de moi. C'est incroyable. Ils sont tellement belles. Vous êtes trop cute, les tchit-tchits. Je pense que ça commence à être mes préférés. Oh, moi, c'est une des choses que j'aime le plus élever, les dingues domestiques. Ils sont tellement drôles, bourrés. Puis ils sont curieux. Ils sont plus intelligents qu'un poulet, ça, c'est sûr. Je sais pas pourquoi qu'on dit, t'sais, comme t'es une dingue, t'es conne, parce que c'est pas vrai, ils sont pas si connes que ça. Effectivement, ils sont tellement calmes. Là, Armand leur a fait au moins une perche, parce qu'il aime vraiment se percher les dingues. Là, il essayait de se percher ici en haut, il glissait, là, on était comme pauvres eux autres, là, fait qu'Armand, il a pas. Oh là là, oups! Je suis contente qu'ils pouvaient se mettre congé la porte. Fait que là, c'est fait les poulets? Ouais, j'ai fait des toutes gardées, les abats, les gésiers, les cœurs, les. Fait que dimanche, j'ai tout arrangé ça. Ça m'a pris quasiment 4 mois. Hey, finalement, là, j'ai juste perdu 5 poulets, man. Je suis sur 150. C'est vraiment un bon tour, ça. Pour vrai, avec les chaleurs qu'on a eues, tout, là, je suis vraiment fier de moi. C'est vraiment hot. Ben, c'est un beau succès. Fait que là, le parc est vide là-bas. J'imagine qu'il va falloir enlever la rip. Ouais, c'est ça. Probablement la semaine prochaine, s'il y a des journées de cul, quelque chose, je vais mettre en rip là-dessus avec quelqu'un Mais là, ces dindes-là, ça va être pour la viande aussi? Ouais, les autres, ça va être plus au mois de septembre. Ok. Ils sont fines, hein, pour vrai? Ouais. Hein, vous êtes de la couille! Super social, les gars. Armand, il aime ça. Hein, you like their keys on, hein? T'as-tu vu pour qu'ils fassent ça, qu'ils aient vu? C'est comme pour qu'on leur. Ah, t'es la petite. Ouais. Vraiment, ah non, puis j'aimerais ça tellement les élever dehors, là, parce qu'eux autres, ils aiment ça, la verdure, puis... Ben oui. Tu sais, ils en profiteraient de l'extérieur, là. Éventuellement, j'aimerais vraiment ça me faire une voilière dehors, à quelque part. Peut-être parler à mon propriétaire, parce que c'est une grosse grange qui fait rien. Ça serait facile de, mettons, faire un parc extérieur, puis tu fais une porte pour rentrer. OK. Puis là, en même temps que je vais soigner mes cochons, ben je vais juste les rentrer, tu sais. Ben oui. Mais le parc, faut qu'il soit fermé en haut, j'imagine, parce qu'ils peuvent s'envoler, eux autres, ou... Non. Non? Non, on a autant que ça ait 6 pieds de haut, ils bougeront pas. OK. Mais là, ça me semble une bonne option. Et où la grange? En bas? Elle est en arrière, dans le fond, à côté de sa maison. OK. Pourquoi je parle là? Elle est belle en tabarnouche, sa grange. Pour vrai, en plus, il est quand même hot, là. Il a. Mais on mangeait pas mon sac. il a mis comme un toigneux. En tout cas, il a mis 60 000 il y a 2-3 ans dedans dans sa grange. Ah ouais? Pour la tenir correcte. Fait que tu sais, quand même en super bon état. Il y a rien dedans. Il fait rien avec. Moi, je pensais mettre mes dingues puis mes chèvres, là, à un moment donné. Les chèvres? Oui. Ça va être quand, les chèvres? Oh, plus tard. Quand tu vas être contrôlé. Plus quand les enfants seront plus vieux. Ouais. Un projet de cinquantaine, ça, je pense. OK. Bon, peut-être un peu avant, là, mais je me donne au moins pas avant 5 ans. Ça. Et je pense pas de me partir en production, là. Ça serait plus un truc personnel. Ouais. C'est trop compliqué de faire du fromage au Québec. C'est trop cher. Ouais, c'est clair. Ben, c'est pas mal fun de revenir pour les voir ici. Puis en plus, c'est que je regardais les images, c'est juste hier. Fait que là, c'est encore plus évident qu'ils ont grossi. Là. Ouais, tu t'es pris la semaine passée à une semaine, ça doit être fou, la différence. Incroyable. Moi, je le vois à chaque jour, c'est une différence. Mais là, ils sont drôles. Ils me picassent. Bon, les gars, on va faire qu'on aille loader le train-là parce que là, ils vont manquer de caisse. OK, let's go.